À YouTube, on va faire la quête du boudinet. Le troisième passage chez le boudinet. On va voir ce qu'il dit de nouveau. Ah oui, il faut que je déséquipe ça. Ça me sert plus à rien. Limite, je veux bien que t'équipes ça. Ah, effectivement, il est plus là le boudinet. Bah, il est juste là. Il peut pas passer loin. Pardon, oula, ça commence. C'est donc là qu'il était. N'aie pas peur, c'est nous. Un streamer nourrissant gros bébé comme la dernière fois. Le boudinet semble nerveux, regarde constamment vers une certaine direction. Vers l'autre boudinet? Enfin, vers l'esprit boudinet, l'aberrant fonte-marin. C'est étrange, il n'a pas l'air d'avoir faim. Son ami qui avait été piégé par les herbes marines est juste là. Il ne devrait donc pas s'inquiéter, il est peut-être malade. De l'autre côté? On ne peut pas le voir d'ici, streamer, on va voir. Alors du coin de l'œil, j'ai vu une raie. Hein, il y a une raie là-bas. Il a peur de la raie. Ah, il a peur de la raie. Un gros bébé n'a plus l'air d'avoir peur, peut-être qu'il arrive à sentir le danger à proximité. Un streamer dont on lui a mangé. Le boudinet renifle la nourriture que vous lui avez donnée avant de la dévorer sans hésitation et d'affectueusement vous lécher la main. Puis il nage vers l'une des parois et commence à chanter une chanson joyeuse avec son ami de l'autre côté. On dirait qu'il nous aime déjà bien. Il faut bien se remettre, quand tu iras bien, tu pourras retourner dans la mer et jouer avec tes congénères. Voilà, c'était la troisième rencontre, ou la seconde rencontre, troisième rencontre, ou quatrième, je sais plus, du boudinet.